messieurs, bonsoir. C'est avec plaisir n'a informé sous télévision Pacifique mais quelques points qu'a fait parler de yo dans actualité. Conseil Lord Avocat Port-au-Prince t'a réuni jeudi pour fixer position sur incident qui arrivé hier mardi dans paquet à côté directeur départemental l'Ouest police nationale là Bergson Soljour t'a malmené greffier en chef Wilbert Ro. Député Mibaléan Abel Décolline mandé gouvernement prend mesure pour capable porter secours sans perdre de temps à moun ka victime dans catastrophe naturelle dans pays. Professeur à l'université l'État Jean-Hérald Le Gagneur reproché président républicain Jovenel Moïse pour déclaration l'a été fait sous tribune Nations Unies côté le fait connait Haïti était plus bien préparé pour faire face à catastrophe naturelle yo. Commission intérieure à collectivité territoriale dans chambre députée yo reproché membre bureau qui pas convoqué Jean yo te souhaité ça ministre intérieur sous corruption suspect qui gagnait dans institution dans pays l'étranger pour petit 51 moun mouri matin dans un accident machine dans l'ouest pays Kenya en Afrique d'après ça la police annoncé rete branché n'a pour le développement journal là pour vous après pause là. En général, moun pa rèmè pran asirans. Yo konsidere ke son l'ajan yo jete. Et pourtant, l'ajan asirans te dwe nan budget ou akote l'ajan kay ak l'ajan manje. Li la pou li dè ou travè son mouvè pa. Gade tout akote ou. Ou avec comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Il n'y a assurance de vous, précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flèrent à saison, a fait comme si vous pas de gens me connaissent. Il n'y a assurance après ta faire au pour le continuez à vivre la vie, quittez ce coup-là dans le même. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci parce qu'on était branché télévision Pacifique n'a rentré dans développement journal là côté conseil Lord Avocat Port-au-Prince convoqué tout avocat qui n'a baoua dans une réunion jeudi mercredi pour capable fixer position yo sous incident qui arrivé hier mardi dans parquet à côté directeur départemental Ouest police nationale là Bergson dans seul jour était malmené greffier en chef Wilbert Ro. Victime là pas de vle obéir à Claude la police t'est passé pour mander un groupe à ak sympathisant Chile Louis d'Or a déplacé devant carré commissaire et gouvernement. Conseil l'a dit, c'est un affront plusieurs avocats ak maman personnel justice l'ont subi en bas main de DOPNH là pendant qu'il était et mobilisé sous dossier Jiri Petiot ak Reginald Février agent circulation t'est maltraité 4 octobre passé d'après une note qui porte signature Jean Berman Perrette qui s'est bâtonnier AI. L'autre nouvelle, député Mibaléan Abel Décolline mandé gouvernement prend mesure pour capable porter secours sans perdre de temps à moun ka victime dans catastrophe naturelle dans pays. Parlementaire a dit regrette pas de gain matériel dans l'hôpital public yo 6 octobre passé pour être capable bay victime tremblement de terre yo soin. Abel Décolline t'est parlé comme ça dans micro Edlaine Vernal ak David Mercius. Kay ki krasé yo. Est-ce que c'est le kay qui vraiment t'es faite selon les normes? Non. Donc, nous croyons autant que nous en a fait avec de pouvoir, avec un pouvoir qui contentait tout simplement gérer des questions factuelles, peut-être ça durer, peut-être quelques kits alimentaires et que on entend un président de la République, un gouvernement qui dit nous préparer face à situation ça. Et lorsqu'on cherchait qu'on ait qui préparation, c'est parce que quelque part il était stocké quelques kits d'hygiène, quelques sacs durie pour porter bah immunio, il dit il préparé alors que de façon structurelle, pays vulnérable.
Et du point de vue de la législation après séisme 12 janvier 2010, il était question pour te gagner en législation en thème de normes de construction, mais nous constater aussi paradoxal que cela puisse paraître dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et à travers le pays, eh bien, c'est la construction anarchique, Mounio a construit n'importe comment alors que gouvernance non li failli. Donc, non solidaire avec victimio. Professeur dans l'université l'État Jean-Hérald Le Gagneur reproché président République là Jovenel Moïse pour déclaration la TFS sous tribune Nations Unies côté le TFS connaît Haïti était plus bien préparé pour faire face à catastrophe naturelle yo. Pour monsieur Le Gagneur, même la nati pas d'accord avec chef l'État pendant le prend exemple parlementaire 6 octobre là côté pas même gain espace dans l'hôpital public yo pour recevoir blessés. Jean-Hérald Le Gagneur. Population n'est pas en position de victime seulement, mais en situation de danger et danger d'extinction. Parce que faut comprendre bien, oui. Il y a 15 jours, peut-être 15 ou 22 jours, président campait la Nations Unies, il dit nous mieux préparer pour nous faire face à la catastrophe naturelle. Voilà que un tremblement de terre passé dans la région pays à une magnitude qui relativement mineur. On pas de côté pour bailler soin. On pas de côté pour recevoir moun qui blessé. On a des son particulier qui voyons au groupe électrogène dans l'hôpital pour bailler un petit morceau d'électricité. Yo gagné l'autorité pour agir. Yo gagné responsabilité pour agir. Dans le sens après changer la situation peuple, mais au pas seul parce que tout simplement bon petit intérêt personnel qui mesurait la lune pointe néo. Concernant nouveau salaire minimum, administration Moïse Seyan mettait d'ailleurs pour année fiscale 2018-2019 l'an. Professeur Jean-Hérald Le Gagneur a fait connaître tout temps production nationale là, pas renforcé, pas jamais amélioration dans situation sociale et économique pays. Professeur Yad, il regrette tout président Jovenel Moïse pas respecter promesse qui était fait pour bail production nationale là. J'arrête, en écoutez encore. Est-ce que pas bon président de la République qui est en fonction, qui peut gagner 2 ans, pourquoi c'est en février, il va gagner 2 ans en fonction, qui te fait campagne sur question de production nationale à travers un jardin banane. Quoi jardin banane là? Nous chita, nous amuser, nous bluffer peuple là. Nous balle menti. De tout ça, tout le monde essaie de mentir. Moi dis, à tout le monde menti yo, yo pété l'envisage et me dit, pas de possibilité encore pour nous faire 5 ans à continuer de bluffer peuple ça encore. Pas gagné. Et c'est eux. Nous d'accord que, quand on a nos strats politico-économiques dans le pays d'Haïti, avec des gangsters, ils mettent avec leurs gangsters internationaux, ils crasent la production nationale dans le pays, qui ne peuvent même pas répondre à besoin peuple, qu'on n'y a pas existé. Ça veut dire qu'on y a nous dépendre de monde qui permettent de craser la production nationale avec voisins. Député Marie-Goa Deus Deronet a critiqué l'administration Moïse Seyan qui baille un petit crasse l'argent comme salaire minimum pour nouveau exercice fiscal là. Pour parlementaire, ça laisse à yo pas répondre à la réalité socio-économique pays. Goudla qui a perdu valeur chaque jour plus devant dollar américain contribué dans la vie chère côté population en pas qu'à faire face à besoin d'après Deus Deronet. En écoutant le micro, Edlaine Vernal avec David Mercius. Sérieusement, il y a des hommes de secteur privé, des géants du secteur privé haïtien qui disent au moins salaire minimum dans ta dos à 585 gouttes, qui dit 600 gouttes pendant que vous avez 600 et le gouvernement lui-même va le réplier pour bailler 420 gouttes. 420 gouttes, je dis à 72 gouttes pour un dollar, c'est environ $5. C'est $5 quelques centimes. Donc, l'on prend un ouvrier, lui-même qui pour payer machine chaque matin, qui pour manger, qui pour gérer à faire l'école du monde. Donc, son minimum, et que si nous avons considéré l'esprit de la loi de finances que le gouvernement a déposé là pour 18-19, il fait retrait, on va passer le barème de l'impôt sur les revenus, déclaration d'impôt sur les revenus, de 0 goud à 120 goud, il n'a pas touché taxe. 0 goud à 120 goud, ça veut dire qui ça? Ça veut dire le minimum vital des Haïtiens, c'est 10 000 goud. C'est 10 000 goud.
un monde qui a touché 10 000 gouttes par mois, l'État dit bon, on va toucher, on va manger, on comme ça parce qu'il pas cadré. Mais nous avons regardé, nous ouvriers qui a touché 420 gouttes de salaire minimum, nous vraiment, vraiment, c'est de la misère, son façon pour décorer misère, faire mon vivre. Et je pense que le gouvernement il doit agir dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des citoyens et il doit approcher le salaire minimum par rapport à la moyenne tout salaire minimum qui vient dans la région. Commission intérieure à collectivité territoriale dans la Chambre des députés a reproché le bureau qui n'est pas convoqué. J'en ai souhaité ça, ministre intérieur sous corruption, il suspecte qu'il gagne dans l'institution. Selon président commission Deyus Deronet, ça fait trafic visa tap nan mitan discussion yo an côté Deyus Deronet. Et malheureusement, nous pas arrivé faire séance là pour peut-être pour des raisons nous était capable dire à cause tremblement de terre qui frappé pays le 6 octobre dernier que gouvernement mobilisé vers le nord du pays. Mais malheureusement, les noms passés dans le secrétariat présidentiel depuis hier, c'est que le président de la Chambre des députés n'a pas donné suite à cette correspondance. Donc, pour une raison ou une autre, donc, nous n'avons pas eu aucune réponse qui sortit de mode nous à nous déposer à la Chambre des députés depuis ce 3 octobre. Donc, le président et le bureau ont décidé de ne pas intervenir sous demande ça. Alors que le problème persiste, c'est toujours enquête qui a mené. Et que je pense que la population, lui-même, il y a tant de résultats d'enquête de la part du ministère de l'Intérieur qui concernait que ce soit la direction générale qui gagne pour le bail des rapports et des comptes sur les questions de scandale de visa, mais que ce soit aussi le coordonnateur national des frontières qui gagne pour le bail compte sur des ordres qui ont enregistré mal passe à des gens qui ont violé les droits qui sont en République dominicaine qui utilisent les frontières. Donc, nous estimons. Nous devons faire le devoir pendant nous porter sympathie non bay et tout compatriote qui est victime de dernier séisme, mais c'est devoir nous pour informer population. Continuez à rester branchés, nous pourrons rentrer dans la nouvelle internationale. Dans pays étranger pour pépiti 51 moun mouri matin dans un accident machine dans l'ouest pays Kenya en Afrique. D'après ça, la police a annoncé machine lan qui te gen 52 moun la donne te sorti Nairobi pour ta la Kakamega qui situe à 300 km dans nord-ouest capitale là. Selon la Croix-Rouge, local do machine nan te rache mais pas gen aucun explication qui bail sous cause accident. D'après chiffre officiel, yo chaque année gen environ 3000 moun qui mouri dans accident machine dans pays Kenya. Cependant, Organisation mondiale la santé OMS parle de plus passé 12000. Journal non fini là, mesdames, messieurs, nous te prenons plaisir pour nous te informer sous télévision Pacifique. Restez branchés. Bonne journée.